On vous a vu faire là, on vous a vu exécuter cet abattage. Mm-hmm. C'est assez impressionnant. Ouais, quand on connaît pas. Ouais. Mais autrement, ça reste dans les règles du métier, quoi. C'est pas, il y a rien d'extraordinaire. C'est des arbres qui sont filants, une seule tige, très peu de branches. Donc, en fait, l'environnement, il n'y a pas beaucoup de contraintes à part les bancs au sol et les clôtures et le cours d'eau, enfin le bassin. Autrement, il n'y a pas des contraintes de maison, lampadaire et d'autres choses comme ça. Donc, et puis, il n'y a pas de circulation. On a la chance d'avoir un périmètre de sécurité assez large. Donc, on est assez tranquille de ce côté-là. La technique pour les supprimer, ces arbres, c'est quoi? En deux mots, C'est du grimper, élagage par grimper, quoi. Et en fait, donc on utilise harnais, corde de rappel, comme vous avez vu, comment je me déplace là-haut, quoi. Et puis après, tous les systèmes de cordage pour descendre les branches et les troncs. En fait, ça, c'est de la rétention. On utilise un système de blocage qui s'appelle un cylindre, qu'on attache sur l'arbre, et ce qui permet de ralentir la chute, et en plus d'écarter le tronc dès la chute de la personne qui coupe là-haut, en fait. Vous le débitez au fur et à mesure, hein, ouais, par rondelle, hein, ouais, par rondelle, en fait. En plus, le système de cylindre nous permet d'envoyer des morceaux assez conséquents, comme vous avez vu, 3-4 mètres, on peut monter à 500-600 kg d'arbres, quoi. De troncs. Et en fait, les troncs en eux-mêmes, c'est l'intérêt de ce cylindre, c'est que en fait, une fois qu'ils sont partis, on peut les faire descendre assez vite, les poser au sol, et que la descente, elle soit quand même assez maîtrisée, quoi, pour éviter les chocs sur la corde, quoi. Il y a un petit côté acrobate, hein, quand même, dans ce que j'ai vu là. On peut dire arbronaute, même, arbronaute. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Ouais, ça se dit, quoi, ça se dit. En fait, on dit lagueur, mais maintenant, le terme le plus employé, c'est arboriste, quoi. Donc arboriste grimpeur, quoi. Comment on vient, ce métier? Moi, je suis d'origine forestière. Moi, j'ai fait des études forestières, tout simplement, quoi. BEP, bac pro, quoi. Et puis, durant ma deuxième année de bac pro, ma première année de bac pro, on était obligé d'aller en apprentissage et je suis tombé chez un élagueur, chez Monsieur Racine, l'entreprise que l'on a repris en 98. Son anniversaire était dimanche dernier, et depuis 1er avril 98. Et on monte aux arbres jusqu'à quel âge, comme ça? C'est pour ça que je rigole avec le jeune, parce que je dis, les caméras sont là, c'est pour la postérité. Parce que je m'étais dit 35, donc j'arrive à 35, j'ai 35. Et puis, je m'étais dit que je me calmerais, mais on a la chance que l'entreprise a évolué un peu. Donc maintenant, j'ai la possibilité de moins grimper, de répartir le rôle avec tous mes collègues, parce que ce que je fais moi là, ici, on est capable de tout se faire à l'entreprise, quoi. En fait, hier, c'est moi qui ai commencé, et après, hier après-midi, c'est deux collègues qui l'ont fait, quoi. Donc moi, ça me permet d'être déjà un petit peu en retrait. Et puis j'ai mon poids lourd, je conduis le poids lourd, je fais les évacuations, comme vous avez vu, de toute façon après tout le chantier on évacue, donc on a les évacuations et tout ça, donc c'est un peu plus cool, quoi. Puis on tourne, hein, je vous dis que l'intérêt d'avoir, on n'est pas une grosse société, mais on est 8 sur le terrain et on est 7 grimpeurs, quoi.